les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables. Le responsable de l'association, c'est un homme. Moi-même, un homme aussi, j'espère que ça se voit. Et donc, sans plus tarder, je vais demander à celui que j'appelle Dekin, Dekin, Didier. Didier, qu'on applaudit, qu'on encourage. Merci. Didier Loutete, de son vrai nom de famille. Didier, à toi toute la place. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Au nom de l'association Libéco, nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. C'est notre première édition. Donc, Libéco, c'est une association apolitique. Donc, on a créé cette association pour motiver les minorités à participer activement dans la vie socioculturelle, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villes ou dans nos pays d'adoption. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup de mots à dire, seulement je demande beaucoup d'encouragement et ce n'était pas déjà très facile pour pouvoir organiser cette soirée, mais merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Merci. La deuxième personne qui va parler ici, elle est la présidente de Femmes Prévoyantes Socialistes, la cellule de Tubize. Nous allons accueillir Madame Adriana Rocco. Alors, nous allons applaudir, c'est la première femme qui va intervenir. Et comme c'est le mois de la femme, j'ai envie de dire encore une journée de la femme, je demande le silence le plus complet par respect. Nous sommes d'accord? Oui. Merci. Madame Rocco, à vous toute la place. Alors, hier c'était la journée internationale pour les droits des femmes. Et c'est en effet une belle occasion pour se réunir ce soir. Je me permettrai de commencer par un peu d'histoire. Cette journée trouve son origine en 1910, où elle est proposée lors de la conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague. C'est avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg en 1917 en Russie que la tradition du 8 mars se met en place. En 1977, soit 60 ans après, l'ONU reconnaît officiellement le 8 mars comme la journée internationale des femmes. Mais le 8 mars, messieurs, il ne s'agit pas de nous souhaiter une bonne fête en nous offrant une rose ou un brin de mimosa. Il s'agit de rappeler qu'aujourd'hui encore, une femme n'est pas l'égale d'un homme. Il s'agit de rappeler que si l'égalité des droits entre hommes et femmes avance dans les lois, c'est encore loin d'être le cas dans les faits et dans les mentalités. Le 8 mars, c'est un moment de réflexion et de visibilité pour les associations de défense des droits des femmes. C'est aussi une occasion unique de focaliser l'attention des médias, des politiques et de l'opinion publique sur les inégalités et les injustices dont les femmes sont victimes à travers le monde.
La preuve, hier, une première grève féministe à Bruxelles avec le soutien des FPS. Des actions un peu partout sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici, à Tubis, c'est au centre culturel que notre mouvement a proposé ses activités. Cet après-midi, le comité FPS de Tubis, bien représenté ce soir, a clôturé son action par un atelier créatif et a proposé pendant 4 jours l'exposition « Parcours des combattantes » qui a été réalisée l'année dernière à l'occasion des 70e anniversaire du droit des votes des femmes en Belgique par les FPS de Liège et par l'Institut d'histoire ouvrière. Cette exposition a permis de prendre conscience du droit d'aller voter et de sensibiliser le public à l'enjeu d'égalité hommes-femmes. Attaché à la mutualité socialiste Solidaris, le mouvement des FPS est né il y a presque 100 ans. Depuis toutes ces années, notre association se bat pour l'amélioration des conditions des femmes et des enfants. Égalité, solidarité sont le fil rouge de la majorité de nos actions et de nos activités sur le terrain. Les FPS continuent de se battre contre les inégalités salariales, la précarité, les violences physiques, sexuelles, psychologiques et les stéréotypes de genre néfastes aux deux sexes. Rappelons qu'en Belgique, les femmes ont un salaire moins élevé que les hommes, un écart salarial qui va entre 20% et 5% selon les derniers chiffres de hier soir que j'ai entendus au journal parlé. Qu'elles assument les tâches ménagères 8 heures de plus par semaine que les hommes, je pense que c'est même pas beaucoup, et que beaucoup d'entre elles ont déjà subi des comportements sexistes dans la rue ou dans les transports en commun. Et dans le monde, une femme sur 5 est victime de violences conjugales et une fille sur 4 n'a pas accès à l'éducation dans les pays en développement. C'est pour cela que nous, les femmes, nous combattons, nous continuons le combat. Mais ce combat n'est pas celui que des femmes. Il est aussi le combat de tous. Parce qu'il s'agit de faire changer de mentalité. Voilà. Bonne fête à toutes, même si on ne peut pas se le dire. Mais voilà. Égalité et solidarité, tel est le fil rouge du combat, de votre combat, madame, au quotidien. Merci beaucoup. Merci. Un exemple à suivre. Je pense que les hommes nous sommes appelés à rejoindre ce combat. Vous êtes d'accord, les hommes? Oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, la deuxième dame, femme qui va intervenir est madame Maïté de Saint-Guilain, qui représente l'autorité de cette ville. Donc, elle est échevine de la ville de la commune de Tubis. Et ce soir, elle est la représentante de monsieur le bourgmestre de la ville de Tubis. Madame Maïté de Saint-Guilain, à vous toute la place. Nous l'accueillons avec nos acclamations. Bonsoir à tous. Donc voilà, je voulais excuser l'absence de Michel Jallume, notre bourgmestre, qui était retenu ailleurs, mais qui aurait vraiment voulu être là et vous soutenir dans le lancement de cette nouvelle association d'Ibeco ici sur Tubis. Voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur et on est d'ailleurs quelques-uns ici du conseil communal à être présents pour vous soutenir. Bah, Adriana Rocco, qui est conseillère communale comme moi, Michel Picalosa à Échevin, et Ali Mohamed Youssouf, qui est aussi conseiller communal. Et on parlait tout à l'heure de parité, pour la petite blague, ici on est deux femmes, deux hommes élus du conseil communal. Mais dans les faits, au conseil communal, on est plus ou moins un tiers de femmes pour deux tiers d'hommes.
Et donc la parité, ben, ça nous concerne tous, mais on en est tous acteurs. Et si on veut plus de parité, ben, il faut voter pour des femmes. Et donc, prochainement, le 26 mai, on ne fait pas de politique aujourd'hui, mais le 26 mai, on va être appelé à voter pour les régionales et les fédérales. Et donc, votons pour des hommes et pour des femmes. Je pense que c'est important. Voilà. Et donc, ben, je voulais vous remercier pour votre accueil et votre invitation. Remercier aussi toute l'équipe qui nous a super bien reçus au bar, au repas. Et vous souhaitez plein de belles choses pour votre association. Je pense que c'est toujours une belle chose de voir une nouvelle association qui arrive sur la ville, qui va prôner la diversité, qu'on va pouvoir faire sûrement plein de projets ensemble. On parle des cultures, voilà, au centre culturel, il y a la maison de jeunes, il y a plein de possibilités de travailler ensemble. Et donc je vous souhaite plein de belles choses et plein de projets pour la suite. Merci et bonne soirée à tous. Merci à Madame Maïté de Saint-Guilain. C'est que nous avons le cliché selon lequel la femme africaine à la maison et l'homme va travailler, c'est lui qui rapporte l'argent. Il y a une dame qui a voulu parler ce soir, mais elle est empêchée. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Je pense que vous la connaissez, c'est Cindy, qui tient un magasin, une alimentation dans la rue de Mont-Sissi, je ne fais pas de pub. On peut rencontrer, on peut acheter tout produit africain là-bas. Elle m'a chargé de dire tout simplement que la femme africaine, c'est également, c'est aussi une femme active. C'est une femme qui peut travailler, qui peut nourrir sa famille et comme on dit, qui peut porter, je ne sais pas si ce que je vais dire, ça se dit, qui peut porter la culotte. Oh là là, ça se dit, c'est ça? Parce qu'une culotte, on la porte tout ça. Enfin, soit. C'est l'expression, la femme porte la culotte, veut dire que la femme peut bosser comme un homme, avoir les responsabilités qu'un homme peut avoir. Elle voulait les confirmer d'elle-même, mais malheureusement, elle est retenue par une clientèle beaucoup plus importante ce soir. Elle viendra, mais beaucoup plus tard dans la soirée. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, il y a de l'animation musicale. Il y a un groupe de jeunes qui va, j'espère, le plus rapidement possible, se mettre sur la scène, qui va nous animer avec une musique des jeunes, mais que nous allons avoir le plaisir d'écouter et d'apprécier. Didier, en attendant que les jeunes se mettent en place, on peut lancer un peu ce CD, et les jeunes se mettront en place pour qu'on découvre ce qu'ils font.
JDZ, c'est nous, on est terrible. Nous voilà, tu connais la team. JDZ, c'est nous, on est terrible. Oh là là là, c'est Dieu qui a donné, faut pas jalouser. Oh là là là, c'est Dieu qui a donné, faut pas jalouser. Pas besoin de me présenter, mon place et place qui vont me connaissez. Depuis petit, le son nous intrigue. Maintenant, ça y est, on est lancé. Notre but est vous enjailler, comme le coupé décalé. Que ce son tourne dans la cité, que ce son tourne dans la cité. On vous avait déjà prévenu qu'on allait vous enjailler. Maintenant que tout est lancé, tu vas bien te déhancher. On vous avait déjà prévenu qu'on allait vous enjailler. Maintenant que tout est lancé, tu vas bien te déhancher. Faut que tu te canalises, t'as kiffé ta sentiment avant un glisse. Sur le maillot, tu vois numéro 10. Maintenant j'ai ses peurs, tu grattes pour une piste. Chez nous, y'a pas de snitch, il me faut beaucoup de bénéfices. En Afrique, il faut que j'investisse pour que la madre soit fière de son fils. Trop talentueux, mystérieux, orgueilleux, pas trop paresseux. J'ai trop zoné dans cette déso, une seule envie de me vaisseau. Avec ce million d'euros, j'aurais plus besoin de sac à dos. Encore sous Nio, à Calamelo. Allez, donnez-moi mes dîners. Libéré, libéré, libéré les mignons garçons. Libéré, libéré, libéré les mignons garçons. Libéré, à libéré, libéré les mignons garçons. Libéré. Le coin, je crois qu'on est vraiment au point. Tu vas danser sur le refrain, on te va tout atteindre. On s'habille plus en kifta, maintenant on fait les restas. On met que de la vraie sable, Gucci, Louis V et Versace. Manager mignon garçon, Madas mignon garçon, Pépito mignon garçon, même le papier est mignon garçon. Mignon garçon. Quitter le barrio, sans terminer vers les barrières, se lève d'un dragon à Rio. Comme
promesse que j'ai faite à ma mère. Tout pour le quartier, tout pour le corps. Plus 14 décrets, 18 billes, la substance. Zéro étranger, zéro mélange. L'individu vient du 250. Le flou la dégueule que nous l'avons. Elle a tourné pour dans un lavoir. 14% mes façons. Au rap, si t'es pas du pays du bas. Futur meilleur quartier comme au salade. Et crois-moi, ça sera pas des salades. Au 80, mais ça brasse, brasse. Capitaine, même s'embrasse. Ça. Et si tu veux pas capituler, tu finiras décapité. Et tant que le business est rentable, je peux tout le reste, je vois en tas. Moment difficile pour toi, coacher tous ces jeunes? Les jeunes non, mais l'organisation quand même un peu difficile. Alors, toi qui es dans l'événementiel, je te vois quasi dans toutes les soirées où je passe. Tu dénonces, tu mets les doigts sur l'organisation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le timing. Mais on dit que nous les Africains, nous avons le temps. On n'a pas toujours l'heure, c'est vrai ça? Voilà, est-ce que on peut applaudir cette charmante dame Christelle? Africa, we got it.
Thank you.
Kitoko, Robini Kitoko. Robini Malasi. Est-ce que le DJ est prêt? Santé, amour divin, santé. Amour pas pour les pointeurs. Amour mystification. La maladie, la évolution. Nous gagnons sa vie, vraiment. Docteur Anaïm, il est impotable. Pendant qu'on a un projet qui a sa soupe. Comment c'est pas le texte du contexte? Thank you.
commencé. Que ça a commencé. Pas du rap de rue, c'est du rap d'amour. One love. Le lyriciste Pantou. Julien m'a dit ça volume quoi. Si tôt le matin, yeah, je me réveille. Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'y ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de crainte, ta vie est une offrande. Quand ta mère est enceinte, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes dans la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues, mettrai sur ton portrait mon cœur qui fait boum. Désormais je me sens prêt, alors je te chanterai. Pitié, yeah, mon amour. Pitié de mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul ventre.